Une séquence un peu moins contrastée. Là, je suis à 14 en fermeture. Et donc, je peux m'éloigner un peu plus. Je suis à environ 30 cm là de la lumière. Et donc, on brûle pas, on peut bouger l'écuelle et rechercher de nouveau les représentations. Et donc c'est quand même beaucoup plus faisable là à 14, en diaph à 14 qu'à 16. Et c'est plus contrasté qu'avec 11, effectivement. Alors 11, ça me permettait d'aller jusqu'ici pour... là, je suis obligé de remonter pour avoir à peu près la même chose que ça. Mais là, on peut remarquer, hein. Là, par exemple, on va remarquer, il y a vraiment... Il y a vraiment des représentations. Alors, on a dit que ça peut avoir avec l'informatique. D'une certaine façon, oui, ce serait donc les pigeons qui seraient, enfin les oiseaux, les volatiles, qui seraient proches de l'informatique, du point par point. Alors voilà, je crois que c'est quand même mieux ça, sur ces prises de vue-là, que les prises de vue que j'ai publiées sur Internet. Les premiers essais étaient moins bons que celui-ci, qui est vraiment admirable, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Au point que je vais m'empresser de le publier pour retirer le mauvais effet des autres essais. Donc je rappelle, c'est l'art des pigeons, le picori art. Picori art. Alors, c'est une peinture, c'est en fait c'est une représentation. Un dessin qui serait très bien avec des écrans gyroscopiques. Ça serait l'idéal pour des écrans gyroscopiques de pouvoir découvrir ces représentations en les faisant progressivement tourner pour qu'elles révèlent leur sens, ce que diantre elles représentent. Voilà. Là, on voit vraiment, il y a une tête tout à fait magnifique, impossible à dessiner une chose comme ça, à moins d'être un pigeon. Et donc, c'est découvrir quelque chose de vraiment magnifique. Et de nouveau aussi, parce que c'est moi qui ai découvert cette chose. Moi, l'empereur Bouddha, l'en meilleur langue drosowis, granier d'Ex-Atlantide. Oui, moi je suis bien content de même pas voir Atlantide, mais d'avoir de temps en temps à contempler et à essayer de discerner quel peut être le dessin, la représentation qu'un pigeon m'a fait, au point que j'aimerais les conserver, ces écuelles.
Et voilà. Pas la prochaine parce que ça brûle quand même, hein. Parce que les 300 watts sont réfléchis par l'écuelle. Et on est à 30 cm des 300 watts. Hein. On peut voir. Voilà. À la prochaine.